Oui, je connaissais bien. En fait, j'avais lu déjà tous ses livres avant même de savoir qu'il y avait un film qui se faisait sur elle, parce que j'ai une compagnie de théâtre qui s'appelle Bye Bye Princesse. En fait, j'avais joué dans L3X, et Je te vois me regarder, des spectacles que j'avais écrits qui portaient aussi sur l'obsession de la beauté, de la perfection, la femme qui est en compétition contre les autres femmes, la femme qui se consomme elle-même. En tout cas, c'était vraiment dans les thèmes du même, en fait, dans le même paradoxe. Puis j'avais donc l'impression de la connaître en quelque part profondément avant même d'aller auditionner pour le film. Mais donc voilà, oui. Et j'ai relu son œuvre en fait pour me préparer.